Les Boxing Club Mokumbusu a organisé le week-end dernier un gala de boxe au centre Kimpoko dans la commune d'Elancélé. Cet événement a connu la participation de plusieurs boxeurs venus, d'ailleurs dans le souci de vulgariser cette discipline. Il a développé comme ça dans ces coins de la capitale Kinshasa. Ses commentaires signés Arbot Nzakimwena. Dans les soucis de promouvoir la boxe locale, le Boxing Club Mokumbusu a organisé le samedi dernier un gala de boxe au cercle de Kimpoko dans la commune de Elancélé. Cet événement a connu non seulement la participation des boxeurs de Kimpoko, mais aussi des boxeurs venus d'ailleurs. Merci d'abord pour nos organisateurs, pour l'amélioration de la J-Box. Il y a une structure pour la boxe à Kimpoko. Nous avons démontré au je suis privé d'autres choses pour nous entraîner. Et désolé pour mon peuple qui est là, bon, pour les chaos. C'est ma première fois d'être au 4 rounds. Malgré que j'ai tenu mon souffle jusqu'au bout. Et merci à notre coach international Ip Man pour l'entraînement. Et merci beaucoup. C'est ça qui est vraiment un peu difficile pour moi. Mais juste que Raza Champion a travaillé bien. Mais ça qui a travaillé, l'intelligence, la sagesse, Django c'est qu'il a gagné le combat. Devant un public assoiffé du spectacle, les boxeurs ont livré des combats en présence des invités et du parrain de l'événement, l'honorable et ministre provincial Amos Mbokoso. C'est la première fois que l'organisation Boué Salamana m'a belé à Kimpoko. Je crois que tous les gens qui sont surtout. Nous avons un entraîneur professionnel dans la Ligue nationale professionnelle de boxe, l'INA Box Pro. Suivant le championnat, nous avons un championnat. Mais Tchang, on participe à Banjil. On participe à Kimbanteke, à Manga Fou, à Bissot Okenda. Tout le temps, on va venir. Mais pourquoi à Bissot Okenda envers Bango? Cette fois-ci, Bissot Bajen, il y a Tchang, il y a une décision. Il y a organisé une gala. Bango peut passer à Nini, il y a un mabélé à Bissot. Et tant aux idées, initiatives, il y a aussi un jeune boy. Quand on a un esprit à Kikuluna, pour promouvoir le sport, on a besoin d'abord ce lobby, lobby, pebata, dans le monde entier, non seulement à Kinshasa, et partout. Et nous avons à Tchangou un champion, vous savez. Après les Jeux de la francophonie, il y a eu quelqu'un de Tchangou qui a eu une médaille d'or. Donc je suis très content de voir qu'il y a la jeunesse à Tchangou dans le secteur de la boxe et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit que c'était pour moi la première fois, j'encourage et je vais soutenir les jeunes, la jeunesse de Tchangou en ce qui concerne le sport. Notons que cette première édition s'est clôturée avec la remise des cadeaux aux boxeurs par les parrains de l'événement.